contraire, plein de musique autour du chaton. Génial! C'est pas des chouettes lunettes, ça? Tiens, des lunettes, Casimiro. Luther, en remerciement, je voudrais te donner quelque chose que j'ai fabriqué moi-même. C'est un lance-pierre, un turboréacteur. J'ai inventé une pilule qui contient la même chose qu'une encyclopédie de 50 volumes. L'ennui, c'est que c'est vraiment une très grosse pilule. Luther, en remerciement, je voudrais te donner quelque chose que j'ai fabriqué moi-même. C'est un lance-pierre à turboréacteur super élastique, à répétition, à viseur de haute précision, à projectiles hyper furtifs et à élastique de compétition. Marine, tu pourrais me tenir cette chose? Bien sûr, Luther. Si je perds mes lunettes, je n'y vois plus du tout. Je suis dans le brouillard et tout m'apparaît flou. Quand quelqu'un me demande combien vois-tu de doigts, je réponds j'en vois deux quand on m'en montre trois. Quoique c'est merveilleux de porter des lunettes, on a l'air d'un savant, on voit beaucoup plus net. On ne risque jamais de perdre ses arêtes quand on a deux hublots calés sur les lunettes. En les multipliant, les nombres s'agrandissent. Ils en ont de la chance, moi je reste petit. Les multiplications dans mon cerveau fleurissent. T'en vas tenter si bien que j'en perds l'appétit. N'ayons pas peur des mots, je suis fou de calcul. À travers eux, je vois de fabuleux trésors. Sur le chemin des chiffres, heureux je déambule. Et pour les additions, je reste le plus fort. J'ai inventé une pilule qui contient la même chose qu'une encyclopédie de 50 volumes. L'ennui, c'est que c'est vraiment une très grosse pilule. Coucou, Tortille la Tortue. N'importe où que j'aille, je suis toujours à la maison. T'as toutes les tortues, c'est moi la plus rapide. Comment tu sais ça? La seule tortue ici, c'est bien à moi, non? L'air de rien, toujours première à l'arrivée. Pas moyen de me rattraper. Quand je nage comme une miraculée, tous les poissons sont épatés. On peut toujours me trouver au même endroit. Mon dos, c'est ma maison à moi. Les enfants rient quand ils me voient. Et moi, ça me remplit de joie. Il fut un temps où je gardais sous mon dos tout un tas de petits bibelots. Mais je m'en suis débarrassé et je peux à nouveau danser. Je me présente Tortille la Tortue. Je vis ma vie à petits pas. On ne choisit pas son statut. On est tortue. Pour moi dans l'existence, tout est toujours trop lent. Pour une tortue, triste bilan. Je lis en nageant sur le dos. Tout à la fois, c'est mon credo. Essayez de répondre à ça si vous pouvez. Pourquoi le surfeur surfe-t-il? Ne cherchez pas, c'est inutile. Moi non plus, je n'ai pas trouvé. L'air de rien, toujours première à l'arrivée. Pas moyen de me rattraper. Quand je nage comme une miraculée, tous les poissons sont épatés. Essayez de répondre à ça si vous pouvez. Pourquoi le surfeur surfe-t-il? Ne cherchez pas, c'est inutile. Moi non plus, je me présente Tortille la Tortue. Je vis ma vie à petits pas. On ne choisit pas
son statut. On est tortue, on les prend. Regarde, encore un oursin violet à ajouter à notre collection. Cette statue porte un trident, juste ce qu'il faut pour notre piège. Hé, cette statue est vraiment très attachée à son trident, on dirait. Ce n'est pas ça, Luther. Le trident est bloqué par le plafond. Mais qu'est-ce que c'est qui tient le trident, Marine? Une statue. Une quoi? Une statue. À tes souhaits. Oh, elle a une sacrée poigne, cette statue. Ce n'est pas ça, Luther. Le problème, c'est que le trident est coincé par le plafond. C'est le moment de crever le plafond, Marine. Je n'ai pas d'idée. J'ai les méninges qui plafonnent. Il nous manque encore 3 objets pour faire notre piège. Les vermisseaux enrobés de chocolat, c'est ce que je préfère. Luther, non! N'y touche pas, tu vas rester accroché. Accroché? Tu veux dire accro au vermisseau? Je te dis qu'il y a un hameçon dans ton vermisseau. Marine, tu m'as sauvé la vie. Jamais je ne pourrais te revaloir ça. T'en fais pas un peu trop. Il s'agirait de nous remuer un peu les méninges. C'est bon, Marine. Je saisis. Pas ça, Luther. C'est la dernière chose que tu dois saisir. Si on l'attrape avec nos nageoires, ça risque de faire mal. Ça serait super d'attraper le vermisseau sans mordre à l'hameçon. Il s'agit pas de faire les idiots si on veut cet asticot. Ça serait super d'attraper le vermisseau sans mordre à l'hameçon. Si on l'attrape avec nos nageoires, ça risque de faire mal. Je me demande si ça va marcher. Ah, elle est une douce tout. Avec autre chose, peut-être que ça marcherait mieux. Tentons le coup avec ça. Loupé. Essayons encore avec ça. Ça alors, Marine, j'ai raté mon coup. Essayons encore avec ça. J'aurais juré que ça mordait. Ça marcherait peut-être mieux avec autre chose. Je parie qu'avec les ciseaux, ça va marcher. Génial! Luther, nous devons garder le reste pour plus tard. Oh, tu as certainement raison, Marine. Oh,
une bonne action. Partage avec ton prochain. Tu veux dire que je dois sacrifier mon vermisseau? La chose que je préfère au monde? Allez, Luther, fais ça pour qui? Compris, j'ai pas le choix. Je me prends un trip sucré d'enfer. On se reverra, mes chéris. Luther, je suis fière de toi. Tu as su donner. J'ai plutôt su doper, tu ne crois pas? C'est doué. C'est juste ce qu'il nous faut pour le piège. Encore deux objets, et notre piège à fantômes sera terminé. Me confier l'affaire? C'est votre carte de visite, monsieur. Ah, c'est comme ça. Je vois, les gars. Vous voulez la combinaison de la vitrine. Excusez-moi, monsieur. Je ne suis pas un poisson, mais une poissonne. Ça, par exemple. Quelle coïncidence. Madame Dorado aussi. Merci pour la combinaison, monsieur Dorado. Rien de plus stimulant qu'un bon mystère. Bah, je m'en passerai bien, moi, de stimulation et de mystère. Oh, c'est trop la frousse. La combinaison de la serrure, c'est 5, 1, 8. Tiens, Luther. Pourquoi n'essaies-tu pas avec ton lance-pierre? Voilà une idée géniale! J'attendais justement l'occasion de l'essayer. Alors, Marine, j'ai raté mon coup. Cet oursin est tout là-haut. Je sais qu'on peut l'attraper, Luther. Jouer, Luther. Voici deux oursins, Roger. Voici trois oursins, Roger. Voici quatre oursins, Roger. Voilà notre dernier oursin. Merci beaucoup, Roger.
Des remerciements, ne vous embarrassez pas. Votre pension des poulets, c'est tout ce qui compte pour moi. Plus qu'un objet, et nous pourrons construire notre piège. Donc Alamaro, on sait que vous n'avez jamais eu de jouets, mais... On ne peut pas vous en apporter tant que les enfants sont à l'école. Si les enfants sont encore là, c'est à cause de cette Marine Malice. Je sais, patron. Y'a pas d'excuses qui tiennent. On doit faire notre boulot. Au fait, chef, qu'est-ce que c'est notre boulot? Pour se débarrasser de ces deux morveux. Grave, Luther. Ce qui compte avant tout, c'est que j'ai gagné le concours d'orthographe. Allons attraper ce fantôme. Nous avons tout ce qu'il faut pour tendre notre piège, Luther. Il ne nous manque presque rien. Luther, tu permets qu'on prenne ton jouet comme appât? Bon, d'accord. Ça y est, notre piège est prêt à fonctionner. Amène-toi, tête de pont. Viens. Hé, patron, regarde. Ouais, attrapons-le. Maintenant, Luther. Et Luther? Vous n'avez pas honte? Effrayer ces pauvres goupilles et leur voler leurs jouets? C'est donc Calamaro qui nous l'a demandé. On n'a jamais eu, lui, de jouets. Vous savez bien qu'on ne s'approprie pas les affaires des gens comme ça. Tu sais, patron, elle n'a peut-être pas tort. C'est bon, on leur les jouets. Les goupilles ont plus besoin de jouets que Don Calamaro. Tiens, tu donneras ça à Don Calamaro. Il faut bien qu'il ait au moins un jouet. Allez, viens Luther. Allons rendre ces jouets aux goupilles. Regardez ce que nous avons trouvé. Vous avez récupéré les jouets des goupilles. Nous avons résolu le mystère, Madame Belle Sirène. L'école n'était pas hantée par un vrai fantôme. C'était juste ces requins qui faisaient semblant.
Bravo! Vous avez sauvé notre école! Tu vas beaucoup nous manquer.